Également des casques, vous pouvez vous connecter sur le bar intérieur, l'album en fonction de la façon dont vous voulez écouter ce nouvel opus. Je laisse la parole à Jocelyne et Éléonore qui va vous donner quelques petites anecdotes sur l'album et après on va lancer l'écoute de l'album. Un album très particulier pour Ed, d'abord parce qu'il sort sur son label qui s'appelle Gingerbread Man Records, je vais y arriver. C'est un album qu'il dédie à vous, ses fans, donc il a voulu que, entre guillemets, cette campagne, comme on appelle ça, soit vraiment dédiée aux fans, par co-fans, pas de gros dispositifs, pas de choses qui entachent un peu l'image de cet album. C'est un album qui est très personnel, qui s'est inspiré d'une. L'album s'appelle Enigma Variations d'un compositeur qui s'appelle Elgar. Et en fait, ce compositeur a écrit 14 titres sur ses amis. Et c'est exactement ce qu'a fait Ed Sheeran avec Autumn Variations. Donc, vous allez entendre quelques morceaux de cet album. Et puis, dernier mot pour vous dire aussi, c'est que cet album, il a été comme subtract proposé par un artiste qui s'appelle Aaron Dessner, qui est membre de The National. Et qui a été, et dont la rencontre avec elle, en tout cas, s'est faite par une amie commune qui est, vous savez, Taylor Swift, exactement. Donc sans plus attendre, on peut commencer la lecture de l'album. Donc le premier morceau qu'on va écouter s'appelle American Town. C'est un morceau, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais qui commence à déjà à diffuser sur ses réseaux. Et ce morceau, il l'a joué avec Courtney Cox. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un morceau qui a été inspiré par la série Friends. Voilà. Si on peut mettre le premier morceau, vas-y. Vous pouvez tous repartir avec du merch, j'insiste là-dessus.
Et deuxième chose, et bah, c'est de passer au guichet juste devant pour récupérer l'album avec des petits guichets. Paris and all that jazz.